peux pas. Déjà, elle est esclave et elle fait le ménage toute la journée. C'est déjà pas mal, je veux dire. C'est quand même déjà une bonne punition, quoi. Pour avoir dit non, pour avoir dit refuser une demande en mariage il y a presque 15 jours Sims. Heureusement qu'on a arrêté le vieillissement d'ailleurs parce que ah, ça y est, on peut plus. Ah non, elle se pisse dessus. Allez, va sur le pot. Hop, je vais t'aider. Et en revenant, tu vas finir. Voilà. Bah, du coup, Dina, tu peux retourner à ton tableau. Hop. Ah, putain. Et allez, elle veut encore un bain de mousse. Enfin, je vous jure, c'est vraiment une star, quoi. Maintenant, elle ne peut plus rien faire si elle n'a pas eu un petit bain de mousse façon spa avant de faire son tableau. Hein. Bah, tant que Agathe est finie. Allez. Appuyant, ah, je t'ai vu ma maison, mais t'as pas vu mes toits. Tu serais tellement fière de mes toits, Ange. Je sais pas si t'es encore là, mais si t'es encore là, je vais te les montrer tellement je suis fière de moi. Bon, ça y est, t'as fini là? Allez, bain de mousse. Ouais, youpi, youpi. Allez, go. J'attends de voir si Ange est toujours là. Ça sera que la troisième fois que je vous montre mes toits depuis le début, hein. Ce qu'on peut. Allez, vas-y. Elle peut prendre un bain devant la petite. Bah, dans une autre partie, chaque fois que ma Sucette essayait de prendre une douche avec un bain dans la pièce, ça marchait pas. Donc, du coup, j'en ai déduit qu'ils pouvaient pas prendre de bain devant leurs enfants. Et du coup, je les fais sortir maintenant à chaque fois. Parce que dans mon autre partie, moi, je croyais qu'il y avait un bug. Mais si ça y est, ça bug. Non, ce n'est pas un bug, c'est la pudeur. Puis ils vont tous se choper un moodlet pourri parce qu'ils vont pas avoir leur journée fériée là. Ah non, j'ai pas vu. Si, je suis là. Ah, alors attendez, je suis désolée pour ceux qui sont là depuis le début, mais je suis obligée de montrer mon magnifique toit. Voilà, je suis désolée, je suis obligée. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, Ange et Faisais sont mes 2 maîtres de construction, ceux que je vénère. Donc je suis obligée de leur montrer mes exploits. Bon, mais si Faisais n'est pas là, donc on va se mettre en jour. Non, mais il n'y a pas de souci. Alors regarde-moi ça, comment le toit, il tombe tout pile ici. Et alors là, c'est magnifique. J'ai beaucoup galéré, mais il tombe aussi tout pile par là. C'est quand même beau! Hein, tu noteras la différence par rapport à d'habitude. Regarde-moi cette magnifique maison. Voilà, c'est bon, j'arrête de vous faire chier avec mon toit. Tiens, Missing est revenu. Voilà, j'arrête de vous faire chier avec mon toit. Ah merde, putain, il suffisait qu'on parle de fusée pour qu'il arrive. J'aurais dû en parler plus tôt. Coucou. J'espère que tu vas bien. J'aurais dû t'appeler plus tôt en fait. Tu as entendu, tu m'as entendu prononcer ton pseudo. J'ai pas le son pour vous entendre, mais je vais essayer de suivre. Ah merde! En parlant du loup, ouais. Les maîtres de la construction sont présents. Les dieux sont là. J'étais pas partie, je suis choquée. Qu'est-ce qui était choquée? De mon toit, c'est ça? Je suis un garçon, c'est bien. Ça arrive à des tas de gens. Oh, bravo, je suis fière de toi. Tu as vu ça un peu? C'était beau, hein? C'était beau. Ils nous honorent de leur présence. Ouais, non, j'avoue, franchement. Ça a dû siffler dans ses oreilles, oui, c'est ça. Ça a dû siffler, ouais.
Enfin bref, bon, regardez pas la déco, par contre j'ai pas le temps de finir. Mais faut pas regarder l'intérieur, hein. Faut juste regarder les toits. Et mine de rien, ça m'a pris quand même 30 minutes hein, pour poser deux pauvres toits, donc... voilà. Du coup, on était où? Ça m'a perturbé tout ça. Oh. Je sais plus où on en était. Il est toujours au travail, non? Ouais, c'est ça. Et il a sa promo. Oui! J'avais pas vu. Mais oui, c'est ton prisme! Et parce que pour la petite histoire, c'est grâce à Ange si j'ai ce magnifique serre-tête sur la tête. C'est grâce à... Ah oui, non, pardon, c'est Faisé qui dit ça, pardon. Donc c'est ton prisme, Ange, parce que voilà, c'est grâce à elle si j'ai mon serre-tête, mon magnifique serre-tête, magnifique, merveilleux. Voilà, je l'ai beaucoup voulu, j'ai galéré pour l'avoir. Et grâce à Ange, je l'ai eu. Les dieux sont généreux avec nous. Oh putain. Je vous mets en pause quelques secondes, je suis désolée. Faut absolument que je réponde. Je vous coupe le son. N'aie pas peur. Heureux, excusez-moi, il fallait absolument que je réponde à cet appel. C'était important. Désolée. Je vais vous laisser, du coup, je comprends pas grand-chose à ce qui se passe. Ouais, je suis désolée, Faisée, je peux pas. J'ai déjà du mal à jouer, à répondre en live, je peux pas écrire en même temps. Moi, j'ai accès à la moitié du chat, amusez-vous bien. Je suis désolée, hein. Je vais quand même lui répondre. Voilà. Hop. Du coup, je sais plus où on en était. Hey, ça fait quand même 2h30 qu'on est ensemble. Donc lui, il est toujours au travail, c'est ce que je disais. Elle est au bout de sa vie, donc elle va aller dormir. Et Dina, bah Dina, ça sert à rien. Allez, finis ta toile. On est plus sur YouTube que sur Twitch? Non. Vous êtes 5 sur YouTube et 10 sur Twitch. Il y a toujours plus de monde sur Twitch que sur YouTube pour l'instant. Bah c'est... Non, bah, j'allais dire c'est normal, j'ai plus d'abonnés. Mais non, en fait, j'ai plus d'abonnés sur YouTube que sur Twitch. Mais les lives sont moins... Enfin, il y a plus de gens qui regardent des lives sur Twitch que sur YouTube, donc c'est pas le même public, je pense. Sur YouTube, les gens, ça les intéresse peut-être pas forcément les lives, donc... Donc voilà. T'as fini ton tableau? Oui, t'as fini. Vendre à une galerie d'art. Très bien. Pour une galerie d'art. C'est un chef-d'œuvre aussi. Oui, magnifique. On est plein de sous. Je vais avoir plein d'argent pour rénover la maison quand le light sera fini. C'est cool. Tiens, Ange, si t'es encore là, tu pourrais me rendre un petit service. J'aimerais juste vérifier. Et coucou, Barold. J'aimerais juste vérifier si ce que j'ai fait pour YouTube marche. Est-ce que tu voudrais bien, Ange,
te désabonner de ma chaîne YouTube et te réabonner, que je vois si j'ai la notif qui apparaît ou pas pour les nouveaux abonnements, s'il te plaît. Si t'es là. Ah, mais t'es en simultané sur les deux. Oui, je suis en simultané sur les deux. Et merci, Barold, pour le follow. Merci beaucoup. Bon, alors, le temps que Ange ait le message, on va avancer. Parce que vu le décalage qu'il y a sur YouTube, c'est pas gagné. Oui, il a eu sa promo. Youpi, youpi, youpi. Du coup, très bien. L'étape d'après, bah, va falloir monter encore la cuisine gastronomique et tu travailles dans 12 heures. Ah, ça c'est l'alerte pour Barold. Et bon, je te rejoins sur Twitch. Peut-être que le chat et le live marchera mieux. Ok, bon, bah tant pis, on testera pas alors. Je pense qu'elle aura le message, elle sera déjà passée sur Twitch. Toujours là pour aider la communauté Sips. Ah bah c'est gentil, merci. YouTube, c'est quand même bien plus pratique. Ça après, je pense que chacun... Ça marche. Ça marche, je sais pas ce quoi, mais ça marche. Lui, il va aller aux toilettes. Et donc, on va aller faire à manger parce qu'on retravaille aujourd'hui. Et qu'il faut avancer la tâche du jour et la compétence surtout. On va faire ça. Est-ce qu'il y a des plats périmés? Oui. Non, ça n'a pas marché le message d'abo sur YouTube. Donc ça ne fonctionne pas. J'ai pas eu d'alerte sur. Donc ça fonctionne pas les alertes sur YouTube. Bon, bah c'est pas grave, j'irai voir ça plus tard. Merci d'avoir. Merci. Je me suis désabonnée, je me suis réabonnée. Donc ça a pas marché. Ok. Et au fait, j'ai choisi ton live à mon mémoire. Bah moi, ça me fait plaisir, Naomi, j'espère que. Noémie, pardon. Noémie, j'espère que ça ne te portera pas préjudice à toi, quoi, surtout. Je t'ai laissé un like ici, je te rejoins là-bas. Ok, à tout de suite, Ange. Non, j'ai fait, ok. Oh my god, ton serre-tête. Ah, t'as vu comment il est beau, mon serre-tête? Il est chiant. Ça va, je suis de bonne humeur. Il est vert. Je suis de bonne humeur. Heureux, Ange. Ça devrait aller mieux en termes de lag. Du coup, lui fait quoi? Il se fait à manger très bien. Elle a fait quoi? Prendre dans ses bras. Non, t'occupe. Va dormir. Hop. Purée, je te vois pas flou. Ah, donc c'est mieux sur Twitch. C'est bizarre. C'est bizarre qu'il y ait une différence de qualité quand même. Bon, on verra ça plus tard. Du coup. Après, c'est. Enfin, ça fait pas longtemps que je live en simultané sur les deux. Si je vois que vraiment ça passe pas, bah, je repasserai en normal, soit sur l'un, soit sur l'autre. Mais bon, c'est vrai que je trouvais que ça pratique, ça permettait de. Bah, ceux qui préfèrent Twitch d'être sur Twitch et ceux qui préfèrent. Voilà. Oui, la mise à jour de demain, qui est une mise à jour gratuite de contenu. On verra. D'ailleurs, j'en profite pour réitérer l'invitation. J'hébergerai le live des Sims sur ma chaîne Twitch. Donc, si vous voulez venir le regarder avec nous pour pouvoir en discuter en français sur mon chat, n'hésitez pas à passer. N'hésitez pas à passer. Voilà, ça. En général, c'est plus sympathique, il y a moins de monde que sur le chat des Sims, et puis ça permet d'en discuter entre nous. Voilà. Elle est partie dormir, toi. T'en es où? Non, bah tu vas continuer à faire à manger parce que il nous faut toujours plus de promos. Tout-tata. Hop, elle rajoute quoi la mage? Bah ça on sait pas encore. Ce sera la surprise demain. Hey, merci.
Merci Justine pour le follow. Merci beaucoup à toi. Ah bah du coup on a dépassé les 280, j'avais pas vu. Merci à vous. On se rapproche là, plus que 19 avant l'objectif que je me suis fixé ce mois-ci. Je suis trop contente. D'ailleurs, je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte il y a quelques jours que c'est bientôt l'anniversaire de ma chaîne YouTube. Le 4 septembre, ça fera un an que j'ai commencé vraiment les vidéos sur YouTube. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais faire pour marquer le coup, mais je pense que je vais faire une petite vidéo pour marquer les 1 an de la chaîne. Sur Twitch, c'est un peu plus tard parce que j'ai pas commencé tout de suite les streams en live. Mais en tout cas, sur YouTube, ça va faire 1 an. Et non, ça n'a pas marché. L'alerte abonnement n'a pas marché. Donc, je sais pas. J'ai dû foirer un truc. Je sais pas si je peux avoir des alertes et pour Twitch et pour YouTube en même temps. Je sais pas. Oh, merci pour le follow, M. Kassim. Je sais pas comment tu le prononces. Merci. Bah déjà, la mage doit corriger le bug des screens. Oui, ça c'est confirmé. La mage va corriger les screens flous. Donc, ça c'est plutôt cool. Allez, continue à faire à manger, toi. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore? Saumon en croûte. Magnifique. Alors, j'ai pu voir qu'elle rajoutait du contenu type vêtements et objets, mais pas d'escalier, même si. Les gros travaillent dessus. Elle corrige les bugs des screens flous aussi. Maxime. Ah bah oui. C'est vrai que dit comme ça, ça a un certain sens, Maxime. Et comment tu sais ça, toi, Barold? Qu'il y a des vêtements et des objets et pas d'escalier. Non, mais ça va être sympa, je pense. Puis c'est bientôt là, c'est demain. De toute façon, à partir du moment. Moi, le 10 septembre. Ah, j'avais pas vu Mister Cool. Ah, bah, on a commencé notre chaîne en même temps alors. La petite musique d'ambiance, offerte par Olivier. Allez, valide-moi le point de gastronomie là, s'il te plaît. Voilà, super. Magnifique. Lui, au moins, il fait ce que je lui dis. C'est pas comme Dina. Allez, au lit. Bon, ça sort pas mal là. Donc maintenant, on va se concentrer un petit peu sur Agathe, hein, puisque c'est elle qu'on attend pour pouvoir la faire grandir. Par contre, vu l'heure, quelle heure est-il? Il est presque 17h, ça va bientôt faire 3h qu'on est ensemble, donc je pense que ouais, d'ici un petit quart d'heure, 20 minutes, on va peut-être s'arrêter. Je tiens un site d'InfoSim, c'est le SimGuru et le SimGuru Graham et la SimGuru Wet l'ont dit sur Twitter. D'accord. Tu fais partie du programme Game Changer ou pas du tout? J'ai pas de chaîne, mon anniversaire est le 17 ans. Ah pardon! Excuse-moi! Bon, bah, tu es né à la même période que ma chaîne, très bien. D'ailleurs, normalement, pas de nouveau système ni de nouvelles fonctionnalités, seulement du nouveau contenu. Bon, on va la laisser dormir. Elle, elle est réveillée. Est-ce qu'elle la mange? Grande reste. Oui, donc du coup, ouais, je pense qu'on va encore faire streamer pendant un quart d'heure parce que je commence à avoir faim dans le sens où j'ai pas mangé à midi. Je n'ai pas déjeuné ce matin. Donc là, il est 17h. Effectivement, je commence à avoir la dalle. Il est temps que j'aille manger un petit peu de un petit peu de quelque chose. Nouveau contenu, c'est déjà bien, mais c'est très bien le nouveau contenu. Puis c'est gratuit, hein. Je rappelle que c'est une mise à jour complètement gratuite. Donc on peut pas non plus. Malheureusement, je fais partie du programme Game Changer, mais j'aimerais beaucoup.
Mon site est encore petit pour ça. Ah, bon, un jour ça viendra. Il faut se donner à fond et puis voilà. Mais ça va pas aussi de rien manger. Bah, ce matin, je me suis levée, je suis allée marcher. Puis après, je suis rentrée, il était déjà midi. Et puis, j'ai voulu faire le live. Donc, j'ai préparé mon stream. Et puis, après, j'ai lancé le live. Et puis, voilà, il est déjà 17h, le temps passe à une vitesse folle. Donc voilà. Ça va, hein, ça va, je tiens. Hein. Les Sims m'ont follow sur Twitter, j'ai bu du jus de pomme pour fêter ça. Ah, je compète. Franchement, je comprends. Moi, quand il retweet mes tweets, je suis pompée up au bout de ma vie. Fallait manger un bout avant le live. Ouais, j'avais pas le temps. Et coucou, Calimero. On n'avance pas du coup, hein, papote, on s'amuse bien, mais. Ah ouais, voilà, l'autre elle est encore tendue. J'ai compris. On prend ton bain de mousse. Toi, vas-y, lève-toi. Ah oui, si tu vas pas pouvoir aller sur le pot. Ça fera sortir ta mère de son bain de mousse, c'est très bien. Ouvrir. Peut prendre une portion. Impossible pour moi de rien manger. Ben, techniquement, j'ai pas souvent faim. J'ai souvent envie de manger. Ah ouais, c'est le problème. Mais j'ai pas réellement faim. Donc là, ici, effectivement, là, j'ai pas mangé depuis hier soir. Donc je commence. Vous voyez, quand elle bambin qui rentre, elle finit, sort de la douche. Bon, elle est toujours tendue, du coup. Tant pis pour toi. Enfin, tant pis pour toi. Le problème, c'est qu'elle peut rien faire, quoi. Toi. Tu travailles dans 2 heures. Oula! Le pied, on en est où là? Donc tout ça c'est bon, faire à manger c'est bon. Allez, prendre une douche méditative et regarder les nuages. Hop. Toi, tu viens manger. Et toi, ça va, retourne prendre ton bain de mousse. Quelle précieuse celle-là. Ah mais déjà qu'ils me répondent des fois quand ils m'ont follow, c'était la fête. Ah mais ça nous arrive à tous. Hein. Quand les Sims nous retweetent, moi je suis au bout de ma vie. Je crois que le pire où vraiment j'étais comme une folle, c'est quand ils avaient retweeté ma photo. Quand Dans la jungle est sorti, je m'étais déguisée en fait pour Dans la jungle. Et ils avaient retweeté ma photo, j'avais trouvé ça top. J'avais pas forcément prévu que ma tronche soit retweetée par les Sims, mais c'était marrant. Des fois, je m'ennuie, alors pour me couper, mon cerveau me dit de manger. Je dois souvent résister à la tentation. Oui, bah c'est ça, c'est le problème. Moi aussi, hein, si je m'écouterais, je mangerais toute la journée, mais c'est pas vraiment de la faim, en toute honnêteté. J'ai pas vraiment faim. Tiens, va en reprendre une autre. Qui c'est? Facteur, il va me marcher dessus. Ah, alors. Non, pas toi. Attendez, je lui fais faire. Hop. Et alors, combien les factures? Attention. Oh, ça va. Ça va. Ça reste raisonnable. Hop, paye les factures et va faire deux tableaux pour les rembourser. Elle était tellement bien, cette photo aussi. J'avoue. J'avoue que j'avais bien trouvé. J'avoue que c'était bien trouvé et que c'était une très bonne idée. J'aimerais bien qu'il y ait un pack qui sort où je puisse de nouveau me déguiser un petit peu. Ça peut être sympa. Ah mais elle peut pas les payer parce qu'il y a lui au milieu du chemin, bien sûr. Eh ben, il ira payer après. Bon, qu'est-ce que tu fais? Tu vas manger. Ah bah non, ça y est, t'as mangé. J'ai cru que t'avais encore faim, mais c'est parce que t'avais pas fini de manger, mon petit. Ah, je crois l'avoir vu passer cette photo. C'était moi! Avec mes jumelles et ma machette. Ah oui, on va tous attendre les photos à chaque pack maintenant. Je l'ai pas fait pour saison. Un jour, enfin, j'avais sorti ma couronne de fleurs façon déesse du printemps, mais j'avais pas trop mis de déguisement. Le problème, c'est que dans la jungle, ça va, ça a été annoncé un peu en avance, mais quand c'est annoncé au dernier moment, j'ai pas le temps de me retourner, quoi. Pour trouver des accessoires et tout ça. Donc,
Faut que ce soit quand même annoncé un petit peu en avance. Oui, dommage, t'aurais dit, ouais, je sais. Hey, coucou, Stu. Ouais, j'aurais dû, mais... J'ai pas le temps, si ça y est, toutes les choses que j'ai à faire. Au dernier moment, c'est chaud, ouais, c'est ça. C'est quand il faut trouver des accessoires que j'ai pas forcément chez moi. Oula, 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 t'en vas pas, t'en vas pas. Là, du coup, tu vas pouvoir aller payer les factures, comment ça se passe? Voilà, allez, go. J'ai reçu déjà... félicitations. Elle vient de peindre un chef. Magnifique. Et ben voilà, comme ça, tu vois, en un tableau, elle a payé les factures. Comme quoi, des fois, elle sert à quelque chose. Et merci, Mentozo, pour le follow. Merci beaucoup. Du coup, elle s'ennuie et de social est bas. Ça sent le crac-crac. Dès que Olivier rentre du travail, en espérant qu'elle ne nous pourrisse pas le crac-crac cette fois-ci. Parce que là, la dernière fois, c'était quand même bien pourri. Toi, t'en es où? Ça avance doucement. Bon, pas mal. J'ai reçu Jungle. Les sanctuaires font pas trop peur. Les squelettes sont pas agressifs, ça va. Ouais, non, ils sont moins... Les temples dedans la jungle sont quand même moins dangereux que ceux des Sims 3. Moi, je me demande qu'est-ce qu'ils vont sortir comme pack maintenant, parce que ça fait presque un an qu'ils ont rien sorti depuis les saisons. Et c'était vraiment bien. Ça a un an, les saisons? Non. Et c'était vraiment bien. Ils avaient pu se concentrer sur le parc. J'espère qu'ils feront plus souvent ça, parce qu'autant attendre longtemps des packs qui valent le coup, pas comme les Sims, bon ben. Oh bah, pas du tout un an, ça fait quoi? Ça fait quelques semaines. C'était avant les vacances. Ça fait un mois et demi. Ça fait même pas 2 mois, c'est depuis juin les saisons, le 22 de mémoire. Ah non, ça fait pas un an, putain, je sais que le temps passe vite, mais quand même. Et voilà, c'est ça, c'était juste avant les vacances. Je vis dans un monde parallèle. Le temps passe tellement vite que ça m'aurait pas étonnée. Sinon, l'année est vite passée. Putain, c'est con. Ah non! Non, mais avant. Ouh la vache. J'ai collé le tableau sur l'extérieur. C'était normal. Eh ben, retourne-y, hein, ma foi. De toute façon, tant que monsieur est pas rentré, on peut pas faire crac-crac. Les saisons sont moins marquées à Oasis Spring. Du coup, c'est plus facile pour jouer les challenges, mais... on les voit moins passer quand même. Non, je veux dire depuis le pack avant les saisons. Ah oui, ça y est, j'ai compris. Oui, ils ont attendu. Pendant un an, ils n'ont rien sorti. C'est vrai. Mais bon, moi je suis tellement... J'avoue que je suis tellement avide de nouveautés que... C'est long. Bon, je suis de retour avec une bonne idée cette fois. Arrête! Arrête! J'ai fait un sous-sol sans lumière. Avec une glacière, un lit gonflable et un chevalet sans escalier pour remonter et tu mets Dina dedans. Et comment je fais pour lui faire des enfants et pour faire crac-crac quand Olivier a besoin de remonter son social et son divertissement? Comment je fais pour se concentrer sur ce pack-là? Désolée, je me suis mal exprimée. Non, non, mais ça y est, j'ai compris. Si je suis blonde, tu sais, faut faire attention comment tu tournes tes phrases parce que je percute pas toujours très vite. Allez, ça y est. Hop, encore un chef-d'œuvre. Non, faut pas pousser. Oh, on a 14 000 simflouz. On va pouvoir rénover la maison comme il faut. Oui, c'est vrai. Faut privatiser. Ça faisait longtemps. C'est bizarre, tu m'as pas proposé de prendre un chien encore. C'est étonnant. Oui, il est là. Il s'en va, il revient, il re-revient, il re-repart, il... Il fait des allers-retours et chaque fois qu'il vient, il fait « avec un smiley. Là, on va pour le festival. Ah, ça y est, t'es revenu du travail? Comment ça s'est passé? Ah, plutôt bien.
Et tu travailles dans 3 jours. Pff, on a le temps. Du coup, tu vas pouvoir bosser ton bricolage et ton jardinage pour commencer à envisager le jardin. Hop, améliorer. Ah oui, il faut que j'achète des pièces. Bah, fallait pas être sur YouTube. La pauvre. Déjà, elle peut être là, c'est vachement bien. Bah, pour l'enfant, tu fais descendre Olivier pour le faire, et pour remonter le social et le divertissement, tu la trompes. Oh! Mais t'es encore plus horrible que moi, Mister Cool, c'est horrible. Ouvrir. Ah, j'aimerais beaucoup un pack type. On pourrait se balader dans d'autres pays. Ah, alors ça, j'y crois pas du tout. Bah, désolé, je passais juste sur YouTube et j'ai vu que Crime faisait le live. Je ne pouvais pas deviner que c'était ici aussi en même temps. C'est vrai que c'est assez récent cette histoire. Tournée de grenouille. Et hop, tournée de grenouille. Voilà. Alors, vous en sortez. Bon, tout le monde est en train de bosser. Nickel. Bon, elle commence à être fatiguée. Puis le social, ça lui va plus. Bah écoute, tu vas déjà aller quand tu auras fini. Tiens, sur le pot, tu iras dormir et on verra ton social demain. Je porte mal mon pseudo, oui, c'est ça. C'est quand la prochaine mise à jour des Sims? C'est demain. Demain. La prochaine mise à jour, ce sera une mise à jour gratuite avec du contenu et des rectifications de bugs. Dans les Sims 3, Destination Aventure était mon pack préféré. Moi, c'était... Bah, en fait, j'en avais pas. Parce que j'arrivais pas à jouer. J'avais pas de pack préféré. En fait, j'ai très peu joué à ce jeu. Je me rends compte que j'ai très très peu joué aux Sims 3 et du coup, je suis incapable de dire quel est mon pack préféré. Oui, c'est ça, comme Destination Aventure, je cherche le nom. Et aussi, En route vers le futur, j'avais bien aimé. Alors moi, si on parle des anciens packs, je voudrais le pack université, mais comme dans les Sims 2, et pas dans les Sims 3. Et je voudrais le pack superstar des Sims 1. Voilà. C'est mes souhaits. Si on prend dans les anciens packs. Superstar, ouais, c'était trop bien, Superstar. Bon, un collectionneur. Génération, je préfère les Sims 3. Ah, c'était lequel dans les Sims 2 où on pouvait faire des activités, genre il y avait la danse classique. On pouvait réparer les voitures. C'était Génération, ça, non? Dans le 2. Oh là là, la honte, je sais même plus. Ça vous parle ou... J'adorais ce parc-là. D'abord, ça me parle, mais j'avais pas le pack de base à cette époque. Mon voisin avait pu me le prêter pour que je puisse... Oui, University. J'ai entendu des rumeurs à propos d'un soi-disant université. Ah bah écoutez, ce serait bien. Quartier libre. Ah voilà, c'était quartier libre. J'aimais bien celui-là aussi. Avec les activités qu'on pouvait faire après le travail ou après l'école. Merci Missing, tu es mon encyclopédie ouais. Des Sims. Bon, je crois qu'on va arrêter là pour aujourd'hui le live. Parce qu'il est déjà presque 17h et que ça fait quand même 3h qu'on est tous ensemble. Merci beaucoup à vous pour ce live, c'était vraiment super. C'était voilà, beaucoup de follow, beaucoup d'interactions, on a beaucoup papoté, c'était top. J'adore quand ça se passe comme ça, que ce soit sur YouTube ou Twitch. Merci beaucoup à vous, c'était vraiment un live au top comme d'habitude. Et je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à très vite. Je sais pas quand. Très certainement vendredi soir, ça c'est sûr pour les Sims. Et puis peut-être demain dans la journée pour World of Warcraft ou d'autres jeux. Voilà, je vous fais plein de gros bisous à tous. Merci beaucoup.
D'avoir été là, d'avoir participé sur le chat, pour les abonnements, pour tout ça. Merci beaucoup à vous, c'est très... Enfin, j'apprécie beaucoup tout ce que vous faites pour ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode du Hack to Win Challenge ou pour d'autres jeux. Gros bisous, merci à tous. Ciao!